Bonjour à tous et bienvenue à la Student Cup Valorant organisée par le Game Center Online. Je suis ravi de vous accueillir ce soir. On va passer ensemble un petit peu de temps à regarder du Valorant, bien entendu. Et quatre magnifiques teams vont s'affronter ce soir. On va avoir le plaisir de voir deux maps différentes. Et je pense beaucoup d'explosivité également. Mais avant de commencer, on va aller discuter un petit peu avec l'équipe de l'organisation de cette Student Cup justement. On va aller rejoindre tout de suite Claudine et Paradis. Allez, suivez-moi, on est parti. Les voici, c'est bon. Vous êtes à l'écran, messieurs, dames. Bonsoir. Comment ça va, Claudine? Comment ça va, Faraday? Ça va super, et toi? Ravi de vous retrouver ce soir pour cette Student Cup, ravi de pouvoir participer, ça fait un petit moment que ce projet était sur la table, ça travaillait un peu dans les coulisses, on commence à en parler de plus en plus, et voilà, c'est concret, comment ça se passe, comment est-ce que vous vous sentez par rapport à ça? Nous on est très contents, le projet se déroule bien, on a eu plein de bonnes surprises tout au long de l'élaboration du projet, on est très contents de t'avoir aussi avec nous. Écoutez, plaisir partagé. Et voilà, donc on attend avec impatience de voir la suite de l'événement. Super. Faraday, pareil, en forme ce soir. Ah oui, toujours en forme. On est un peu parti pour jouer et tout. On a mis du temps à préparer ça. Surtout que Claudine, elle a mis beaucoup d'efforts et tout dedans. Et c'est vrai, comment ça se déroule, ça fait du bien. C'est vrai, on en avait beaucoup parlé, c'est un projet qui tenait à cœur. Du coup, pour ceux qui nous découvriraient ce soir, reparlez-nous un petit peu de l'historique de la Student Cup et de ce qu'on a déjà vu et de ce qui va arriver par la suite. Comment il est né, ce projet de la Student Cup? Alors, ça fait un peu sur un coup de tête. Donc, celui qui a eu l'idée, c'est Pendragon, qu'on salue parce qu'il nous regarde. Et il nous en a parlé, parce qu'on avait vu que le SGL organisait un concours de projet. Du coup, on a monté ce projet, on a participé au concours, on a gagné un prix. D'accord. C'est ce qui nous a permis, en premier lieu, de pouvoir lancer le projet et de le créer. Voilà. D'abord, c'est parti de là. Et après, du coup, au fil des mois... On a un peu appris sur le tas à comment on organise une aussi grosse compétition. Et voilà. C'est un peu comme ça que le projet s'est créé. Très bien. Et ben, écoutez, un beau projet. Alors, je vais reprendre mes notes parce qu'on en avait pas mal parlé, toi et moi. Je reprends mes notes. Je vous emmène un petit peu dans les coulisses, comment ça se passe, etc. Mais oui, on a eu le plaisir de discuter un petit peu par rapport à ça. Donc la Student Cup, je le rappelle, on est sur un tournoi spécialement pour les étudiants, les collégiens, les lycéens. Voilà, j'ai retrouvé mes notes. Compétition au niveau national, on a vraiment des équipes de partout, il me semble. Lycéen, CN, étudiant, bien entendu. Oui, je fais vite avec les doigts. Et donc, League of Legends, Teamfight Tactics. On a également Valorant, le R6, le Rainbow Six. CSGO, Trackmania aussi, ça fait plaisir. Hearthstone, et enfin le Rocket League. Et en plus, on a beaucoup de cash prize à distribuer un petit peu sur tous ces tournois. Donc ça fait super plaisir en vrai. Non, je croyais que Farah voulait y aller. Oui, ça fait plaisir de ouf. Surtout qu'on a eu plein de... Quand tout à l'heure je parlais de bonnes surprises, c'est parce qu'on a eu des partenaires qui sont rajoutés au fur et à mesure de l'élaboration du projet. Donc c'est ce qui nous a permis de proposer autant de prix. Tout à fait. Et pour nous, c'est la première fois qu'on propose autant de prix lors d'une compétition. D'habitude, c'était maximum du 25€ cash prize et tout. Et là, on est passé à 2500€ au total. Ça change un peu. Effectivement, plus de 2500, vous me dites, c'est quand même super important. Du coup, les équipes, alors,
Je rappelle un petit peu le principe. Du coup, les différentes équipes qui vont concourir vont pouvoir aller chercher ces différents prix-là. On a notamment de magnifiques prix avec pas mal de Valorant points qui sont offerts pour les premiers et deuxièmes notamment. Et également beaucoup de giveaways, beaucoup de petits cadeaux qui nous sont offerts par nos partenaires corsaires et The Jeep. Là, on aura l'occasion de regarder quelques petites annonces, des codes, des réductions, bref, pas mal de petites choses pour régaler les uns et les autres. J'espère que vous serez nombreux à regarder ce soir et à nous suivre et kiffer un petit peu le tournoi, la Student Cup. Ça fait plaisir. Je suis en train en même temps de faire les derniers petits réglages. Vous savez, un stream sans problème n'est pas un stream. Oui, on se souvient d'hier. On a passé 20 minutes sans son. Je ne vois pas de quoi parler. Effectivement, ça va être un petit peu compliqué. Voilà, je suis en train de récupérer le chat, nos amis du chat qui ont déjà bien entamé les discussions. Il y a de la diffamation vers moi. Dai, tu vas voir ce qui va se passer. Ça va être un peu compliqué. Ça va être un petit peu compliqué si on part dans ces bails-là. Écoutez, si je ne m'abuse, Claudine, toi, tu fais partie d'une équipe ce soir. Donc, tu es compétitrice dans la compétition, ça fait super plaisir. Est-ce que Faraday, c'est le cas aussi? Est-ce qu'on va pouvoir te retrouver également dans la compétition et admirer tes exploits? Malheureusement, non, je ne serai pas dans la compétition, mais je serai derrière pour soutenir. Parce que Faraday, c'est un joueur de R6. Donc tu te verras peut-être sur le tournoi de R6 dans ce cas-là. Non, malheureusement, non, je ne serai pas sur le tournoi de R6. Très bien, la déception comme ça. Oui, je serai sur à 20h là. Ah, tu seras sur TF1, on te verra quand même. Bon. Tu nous fais un peu patienter, on va dire. Allez. Le chat, voilà, il est réglé normalement. Est-ce que je vais pouvoir l'afficher correctement? Le voici, c'est bon. Nickel Chrome, on va pouvoir afficher le chat. Bonsoir, d'ailleurs, j'ai pas eu le temps de vous lire tous. Il a rajouté Fatal Bazooka, bien sûr. Un classique. On me confond avec pas mal de monde. Mais tout à fait. Du coup, je vais avoir le plaisir de caster ce tournoi, notre Student Cup, pendant plusieurs jours, jusqu'à dimanche inclus. Je vous rappelle, pour ceux qui viennent d'arriver, que notre Student Cup Valorant vient de se dérouler de lundi jusqu'à dimanche inclus. On aura la chance d'avoir deux équipes, donc deux matchs ce soir, deux matchs également. Le jeudi, peut-être le vendredi, en fonction de si les équipes sont à égalité. Et puis on aura le plaisir d'avoir les huitièmes de finale samedi, quart de finale dimanche. C'est bien ça, je ne me trompe pas. Quart samedi et deux dimanche. D'accord, très bien. Je sais pas, on a un petit écho, on va essayer de régler ça. Absolument. Parmi les milliers de réglages qu'il y a sur l'écran, forcément, j'ai oublié d'en activer un. Voilà qui est réglé. Et donc, normalement, ça devrait être réglé bien dans 180 secondes pour vous. Les amis, un petit peu moins. Voilà. Il y a le son, on vous entend également. Écoutez, il est 25. Il nous reste un petit peu de temps, je crois, avant le début. Ça va commencer à 30. Très bien. Alors moi, je suis ready de mon côté. Je vais attendre que justement les deux équipes me contactent. Ce soir, on aura le plaisir de regarder, il me semble, les Scotchers et Foxtant. J'ai hâte de voir un petit peu comment ça va se passer.
Est-ce que vous avez envie, les amis, on va, écoutez, on va faire ça un petit peu, on va faire ça un petit peu comme ça. Est-ce que vous avez envie qu'on se regarde quelques highlights, quelques, voilà, quelques petites, comment dire, quelques petites pépites d'hier. Ouais, ouais. Voilà, ah, ça fait toujours plaisir. Il y a une pépite qui va faire plaisir à ma team. Il y a plusieurs pépites, effectivement. Le wall. Je vais aller chercher ça et on va. Alors, c'est parti pour les premières pépites. On va pouvoir se regarder ça tranquillement et je prépare le clip. Voilà, il est ici. Tac, tac, tac. On est parti. Alors, nos petites pépites, justement, voilà, je vais enlever le superflu. Et c'est parti. Pour le premier, on part avec Jean-Claude Van Damme. Ce ne sera qu'un peu au hasard. Et le confinement qui va permettre d'entrer sur ce site. On attend qu'il progue. Oh, une notaire. Qui a su punir le positionnement. Oh, Artis qui va ultime pour esquiver le confinement. Va cependant être attendu, je pense. Personne ne s'en soucie. Personne ne l'a entendu. Il balance une spot un peu au hasard. Hop. Voilà. Et pour le confinement premier... qui va permettre d'entrer sur ce site. Voilà. On attend qu'il progue. Oh, une notaire. Je vais vous récupérer. Qui a su punir le positionnement. Artis. Hop. Alors, j'ai pas eu le temps. Je les découvre en même temps que vous. Tous ces clips-là, je les découvre en même temps. Il faut que j'aille les chercher sur le Discord. On va les chercher le deuxième et le troisième comme ça, parce que ça vous... Hop, hop, copier le lien. Ça vous masque en même temps. Une personne. La flèche qui est instantanément détruite. Tout doux, bijou, tout doux. Le sang. Hop. Allez, on va aller récupérer le... Voilà. On va aller récupérer le second. Le second qui semble être un triplé de Aurillac. En plus, le nombre ne m'est pas inconnu. Je crois que j'ai des collègues qui sont dans le tournoi. C'est parti pour la dinguerie d'Aurillac. Du côté de Bridge. Oh, c'est un gros push mid là qui est proposé. Un énorme push mid. Bah, ouais, est-ce qu'on peut avoir la POV du mid, s'il vous plaît? Okay. On va être un peu ralenti. On est 3 sur B en défense. Le TP peut-être qui va. Ok, on a récupéré le TP dans le bas. Le main qui reste le terrain. Bon, j'allais dire qu'il n'y a pas appel, mais. C'est... On est en B3 maintenant. Regarde, on est en B3. Voilà. Une personne. La flèche qui est instantanément détruite. Du côté de Bridge. Oh, voilà, c'est un gros push mid là qui est proposé. Un énorme push mid. Bah, ouais, CD, est-ce qu'on peut avoir la POV du mid, s'il vous plaît? On va être un peu ralenti. On est 3. Et on va aller voir ce dernier. Alors, c'est peut-être celle-ci, le Sage ou Judge dont tu parlais. Ah. Tu parlais, Claude Dean. Je ne sais pas exactement. Celui que tu attendais, on est parti. Standard de tout jet. Ok, on va jouer pour une attaque plus speed. Oh, Fushi qui prend ce premier kill sur DB Twin. Plus aucune charge. Si on prend l'opérateur troisième round, c'est. On ne s'attend pas. Ok, c'est Taro qui prend l'information, qui va distraire l'Oxus, qui tente. Negartium. Pour le mur, osé. Premier kill. Deuxième kill. Troisième kill. Il prend la patte. Quatrième, Mélanie est là pour le revenge. Le triple kill. Le standard de tout jet. Ok, on va jouer pour une attaque plus speed. Oh, Fushi qui... Et voilà pour le Sage au Judge qui nous a bien régalé. Bon, du coup, ça me donne d'autant plus envie, en fait, de voir la suite, de voir un petit peu toutes les équipes qu'on aura ce soir. Voilà, je vois des petits... en plus, j'ai vu des petits cœurs, des petits je t'aime dans le chat. Donc, voilà, on va pas bouder son plaisir. Hein, on va pas bouder son plaisir. effectivement, je rejette un petit coup d'œil à la game. Pour voir un petit peu où en sont les joueurs. Normalement, ils ont mes coordonnées. Si vous êtes sur le stream, n'hésitez pas à me contacter. Et j'aurai avec grand plaisir eh bien, l'observation et le cast de la game.
T'es toujours pas dans la game là ? Je suis pas encore dans la game, normalement il devrait me faire toc toc bientôt. Si tu ouais et bien du coup si si tu as leurs coordonnées ma chère Clonique qui puisse me pinguer. Moi j'ai juste un truc à dire attends, je vois que j'ai fait une petite erreur, okay. C'est pour ça. Hop. Excuse-moi Faraday. Oui, t'inquiète. J'ai oublié un petit 8, ah. c'est pour ça. Aïe. La faute professionnelle, et oui, le clavier oui, hein. Qui est d'ores et déjà en vacances. Vous savez ce que c'est. J'ai hâte de voir un petit peu sur quel genre d'environnement on va partir, les agents et tout, ça va être intéressant. Il y a plein de changements en plus qui sont en train de se dérouler là sur Valorant, je vous en parlerai. Hein. Bien entendu, c'est bon, je crois que j'ai une première invitation. Hop. Alors, où est-il, ce bon Easy. Je le vois pas pour l'instant. Ah, très bien. Alors. Et on a les petits bugs d'usage de Valorant qui arrivent de temps en temps. J'ai redémarré mon jeu pour pouvoir rentrer dans la game. Eh bien du coup, Claudine et Faraday, si vous avez besoin de rejoindre vos équipes, je vais vous laisser partir. Un dernier petit mot pour le chat, pour les gens qui vous regardent. Abonnez-vous comme ça vous pourrez spam le petit psycho pour aider Claudine. Exactement. Pour m'aider moi. Incroyable. Oui, non, mais ouais. Moi je voulais juste dire merci à tout le monde. Voilà. Allez, et ben écoutez, le message est passé. Effectivement, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fera plaisir, ça nous fera grandir pour cette Game Center Online qui commence tout juste ses exploits. Bonne chance à vous deux. Enfin, bonne chance à Claudine, surtout. Merci beaucoup. Bah, toi aussi, podcast. Et puis, on se retrouve donc tout à l'heure. Allez, je vais repartir en solo. Voilà qui sera... voilà qui est fait. Je vais également essayer de récupérer mon collègue. Où est-il? Voilà. Alors, le S. Toujours pas, je n'ai toujours pas la possibilité de les rejoindre. On va regarder un petit peu comment ça se passe. Voilà, il faut que je rajoute également. Tac. Notre chat, on va continuer, on va vous garder, bien entendu, on va vous garder avec nous. Voilà. Je vous rappelle, hein, on a 3 minutes de délai pour pouvoir préserver la compétition, justement. Alors... On va lancer le Valorant. Voilà, il devrait démarrer dans quelques instants. Et on va pouvoir y aller. Alors toujours petits soucis de connexion, je sais pas encore pourquoi. Je sais pas encore bien pourquoi. On va essayer de se reconnecter comme ça sera d'autant plus efficace. Et on est presque parti, les amis.
pour cette, vous pouvez le voir hein, juste au-dessus de moi, pour cette première rencontre entre les Scotchers et Fox Taunt. Je vais envoyer un petit message justement pour qu'ils ne s'inquiètent pas. Ah, voilà. Voilà qui est relancé. Quelques petits soucis ce soir sur Valorant, il semblerait. On va voir un petit peu ça. On va voir ça. J'espère qu'on est prêt. Spam this to help. Psycho! Allez, on espère le petit psycho quack, effectivement. On espère que tout va bien se passer. Alors, voilà, ça c'est accepté. Est-ce que je vais pouvoir les rejoindre cette fois-ci? Join party, voilà. C'est bon, on dirait que c'est bon. Tac, hop. Hello, c'est le cast ici. Parfait. Qui est dans quelle équipe que je puisse les distinguer. Ok, on est quasiment. Alors, hop. Ça marche. Le cast est ready. Alors, les Scotchers qui vont commencer en attaque. Un petit GL HF qui va partir, les amis. Scotcher en attaque, hein, j'ai dit. Et on va pouvoir commencer. On va se rendre in-game. Alors, avec... Voilà qui est fait. Oh, j'ai un petit souci. Que se passe-t-il ? Voilà. Allez, on devrait pouvoir voir ce jeu. Oui, on va pouvoir le voir. Très bien. Ricardo, Kanix, Mozart, Nadir. On a de l'autre côté Snagey, donc côté Scotcher, Nexus, Trunks, Darken et Durian. C'est parti. On va voir un petit peu, on va détailler ensemble ce soir eh bien, toutes les composantes qu'on va avoir. Vous avez le son du jeu normalement. Avec la musique, je le vois sur le viewmètre, vous pouvez également m'entendre. Dites-moi hein, dans le chat si jamais on a des petits soucis de son, s'il faut faire des réglages, n'hésitez pas. Et bienvenue à tous, vous qui nous rejoignez. Allez, dernière sélection pour Durian, justement. On est donc parti sur Ascent. Magnifique map au thème de Venise, bien entendu. Les Scotchers face à Fox Taunt. Ça va être maintenant. J'en profitais pour justement inverser le nom des teams puisque elles sont
inversé tout en haut. Vous l'avez vu. Voilà qui devrait être réglé. Très bien, les scotchers. Qui sont donc en attaque, qui sont en rouge sur votre écran. On va pouvoir les retrouver un petit peu. Et justement, il y a ces scotchers qui vont commencer sur un side d'attaque. Dans un premier temps, on va retrouver l'arena de Trunks ici. Un petit peu aux avant-postes. On va pas prendre de risque pour l'instant, j'ai l'impression. On va jouer un petit peu calmement ces premiers rounds. On a déjà pas mal de présence également de la défense, voilà. Sur ce côté. Ah, et ça va rentrer très très vite avec un dash de cette chaîne qui va se jeter immédiatement dans le garden, le 1v1 qui va fonctionner l'arena pour la poursuite de ce duel. Et on a réussi à contester et à prendre cet espace. Petit Molotov qui va partir sur le top, c'est très bien puisque LAK va pas pouvoir justement prendre cette ligne de vision depuis le top. Ricardo et sa Sage vont essayer de rentrer sur le site, mais il est très très bien défendu. Last player standing. Le duel ne sera que perdu, malheureusement. Et Ricardo, qui est tout seul, contact de la sport. Il a une bonne ligne de visée ici, mais sera récupéré par Durian, imperturbable. Brimstone, qui nous a régalé. J'en profite pour regarder un petit peu si vous m'avez laissé des messages pour l'instant. Il semblerait que non. Il semblerait que tout va bien pour l'instant. On va voir. La game n'a pas commencé là où je le regarde. En tout cas, soyez les bienvenus. Hein. Si vous nous rejoignez, on est sur la Student Cup Valorant. Scotcher contre Foxtaunt. Stim Beacon here. Se sont séparés en deux, on a une grande poussée effectivement de la défense qui va être sur le mid ici. Essayez d'aller chercher un contact, essayez d'aller chercher une tête. Puisque l'équipe d'attaque a remporté le round précédent, ils vont se permettre de se ruer sur le site. Le duel ici, ça va être compliqué pour Nadir. A beau lutter, il ne s'en sortira pas vivant. 12 HP, ça va être un peu compliqué. Voilà, il est récupéré directement par Darken. Ça spectre. Et on va se terminer avec un petit ace. C'est bien joué de la part de Darkun qui m'a totalement surpris. Je l'ai concentré sur ses collègues. Et on dirait que ça fonctionne très très bien. On dirait que ça fonctionne très très bien. Ça me permet de regarder un petit peu le retour également. Et de nouveau, une équipe d'attaque séparée. Durian sur le côté B. On a également une jet qui va progresser sur le mid. Et on va s'avancer de manière très véhémente. Mozart qui va jusqu'au glacier ici. On va revenir hein, peut-être sur ses acquis. Maintenant qu'on a entendu les squads d'attaque qui vient de rentrer sur le site, c'est bon. On va pouvoir faire tomber pas mal d'éléments ici. Qui va essayer un petit peu à l'aveugle d'aller chercher une information. Il ne sera pas possible de le faire. Et Trunks complètement aveugle, il pourra quand même prendre la vie du Sova. Le 1 pour 1 qui va fonctionner, il va rester deux des défenseurs. Ils étaient sur la longue. Il est parti un petit peu à l'extérieur en explorateur. Il doit arriver sur ce site qui pour l'instant a été un petit peu délaissé. Mais une bonne position ici qui lui permettra de prendre le 1v1. Malheureusement, l'arena de Trunks était la plus rapide. J'ai l'impression qu'on a des petits soucis de FPS, on dirait. C'est aller faire quelques réglages peut-être de les limiter ici. Quand ça bouge, ça lag. Effectivement, on va essayer de regarder un petit peu comment améliorer ça.
Allez, Trunks et ses collègues sur le middle pour l'instant. On a eu un premier duel ici. Darken qui s'est immiscé sur le site. Il n'a pas vu l'autre jet qui va pouvoir se faire sur son homologue. Allez, double smoke. On n'a pas été vu par contre hein, sur le top ici. Mozart qui va revenir aider son compatriote. Pendant ce temps, le reste de l'équipe va se rediriger sur le mid. Prédiction effectivement qui commence à s'enflammer. N'hésitez pas à voter si vous êtes. Il vous reste un petit peu de temps encore. Trunks, si tu gagnes son duel. Il ne restera plus que Nadir. Ça va assez vite hein, pour l'instant. On a une très bonne maîtrise de la situation de la part des Scotchers qui commencent. Très bonne map de Ascent justement. Je vais en profiter pour essayer de régler un petit peu les problèmes de FPS justement. Pendant qu'on est voilà, sur cette petite moment de pause, ça devrait peut-être améliorer la situation à présent. Je vois que sur le retour, ça a déjà un petit peu amélioré. Ça devrait être bon, n'hésitez pas à me dire. Ici, on a encore des petits soucis. Première frayeur du côté de B, on va revenir. Alors qu'on s'était séparés, c'est une très bonne stratégie hein, de la part des Scotchers pour l'instant de travailler à deux escouades. Vous le voyez, une escouade ici qui va partir du côté A. On a une jet qui se balade un petit peu sur le mid pour essayer de punir d'éventuels voyeurs, d'éventuels lurkers sur le mid. Le Cypher de Nexus avec la strike sur le dos ici qui a une chance. Beaucoup de chance, beaucoup de précision. Il était parti un petit peu en avant avec la spike. C'était dangereux, mais il aura du succès. Bien joué à lui. L'information est donnée hein, pour la défense qui va revenir à présent du côté de A. Alix qui gagne son duel. On va avoir également deux défenseurs, même trois qui reviennent maintenant sur la hauteur. Ils sont quatre, le 4v4 pour cette retake du site A qui a été engagé. Mozart avec son lance-roquette qu'il ne trouvera pas. Lequel malheureusement c'est du rien pour la réplique. Depuis le dessous, il a été repéré, 1 pour 1, qui va fonctionner. Astra, et le cas qui va tenter une defuse, ça pourrait passer. Il est dans la sauce pour l'instant, il a été vu, il sera abattu. Plus que la moitié de cette spike a désamorcé Nexus qui est repoussé sur le restaurant. Le 1 pour 1 qui va fonctionner, Nix qui va tomber, le triplé, le quadruplé de Nexus qui l'emporte et qui laisse justement cette spike presque défendue. Malheureusement, c'est la defuse à quelques instants, à quelques millisecondes. On est passé très proche. Donc voilà le premier point des Fox Tant. Justement, premier point de cette défense sur cette map de Ascent qui va fonctionner. Je vois que les FPS sur le retour se sont bien améliorés justement. Launching smoke. C'est occupé plutôt positionné du côté du mid. Cette attaque va surgir un petit peu. Direction du market peut-être. Astra qui commence à positionner toutes ses étoiles dans le but de préparer la prochaine attaque. L'arena de Trunks qui va se glisser sur le garden, sur ce jardin. Alors qu'on va utiliser les kunai ainsi que la fureur du chasseur pour Nyx. Nyx qui va être au contact de cette Reyna dans quelques instants. Il était mal positionné malheureusement. Il se fera récupérer, il n'était pas prêt hein, à réceptionner tout de suite l'attaquant. Belle fête ici de la part de Trunks. Il se fera récupérer par Nadir qui avait sorti les kunai pour l'occasion. Bon travail de défense de cette jet hein, qui est revenu juste à temps. Cependant attention, on a un Snazy qui est très dangereux. Parfaitement précis, il va l'éliminer également vis-à-vis. Et on va même sécuriser cette position-là. Deux défenseurs restants. Il s'agit de Mozart et de la Jet. Oh, ici, qui peut avoir un timing fabuleux. Il aura un petit peu manqué de précision, malheureusement. Un HP restant pour Mozart. Ça va être compliqué. Hein. La raise de la défense qui va save, à mon avis, qui va se cacher et essayer, bien tout simplement, de survivre.
ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour la raise d'attendre. On a une spike qui est plantée hein, du coup du côté de cette attaque. Et ça devrait fonctionner. Pas de problème pour les scotchers qui vont se faire un plaisir de rajouter un cinquième point à leur carquois justement. Bienvenue à tous, hein. Si vous nous rejoignez, nous sommes sur la Student Cup organisée par le Game Center Online et nous sommes ensemble pour du Valorant ce soir. Deux matchs, le premier match qui est en cours pour l'instant entre les Scotchers en attaque en rouge sur votre écran et Foxtant qui sont en vert. Pour l'instant, les Scotchers qui mènent la danse, mais Foxtant n'a pas encore dit son dernier mot. Plus une position assez intéressante, vous pouvez le voir hein, sur l'écran ici, de la part de la Jet qui s'est immiscée un petit peu du côté du restaurant, se fera abattre. Bon, ils étaient 4, c'est dommage, c'était bien tenté de sa part. Empêtré dans le slow, empêtré dans le gel au sol, ils vont être repoussés et la Sage justement de Ricardo qui va attendre. Qui va attendre avec impatience le retour de ses collègues. Le reste de l'attaque est parti. On a fait une rotation direct sur le market. On n'a pas vu justement cet adversaire. Il va falloir remonter un petit peu en direction du mid pour la 7 justement. Le duel ici au market. On a été vu. Le 1 pour 1, c'est Trunks. Toujours très précis avec sa Reyna. Il a bien choisi son agent, effectivement. Il est pour l'instant. Placé, on a éliminé malheureusement Ricardo, la Sage, ainsi que à l'instant Nyx qui va tomber. Ça se passe effectivement très bien pour l'instant pour les Scotchers, mais ils sont en attaque, hein, ce side d'attaque qui est parfois un petit peu favorisé. Vous pouvez le voir pour l'instant, c'est Darken et sa Jet qui mènent la danse. 11 kills à 3. Trunks également qui est tout à fait efficace. On va retrouver des Foxtant beaucoup plus cohérents, beaucoup plus homogènes. On va voir comment ça va se passer dans cette seconde partie de carte. Darken qui réouvre la marche une fois de plus. Hein, qu'ils ont une formation très très offensive. Les Scotchers pour l'instant. Duel également sur le mid ici. Lexus qui ne sera finalement pas inquiété par la défense qui est repartie du côté Fish, du côté de ce couloir. Marcher au poisson. Pendant ce temps, il va falloir patienter un petit peu. Un barrage hein, qui va commencer à se former en direction du A. On va essayer de remonter sur ce jardin, justement, sur ce garden. Vous pouvez le voir, les silhouettes rouges ici sur l'écran qui vont être bientôt en mouvement maintenant que le mur de Sage a été brisé. C'est Trunks qui va sans doute ouvrir la marche. Je pense qu'il a la connaissance hein, de la position de la Sage. Off your feet! Ici. Elle va être éblouie, elle va être... Voilà, aveuglée. Malheureusement, elle n'aura pas la chance. Escompté, Trunks qui fera malheureusement que quelques mètres avant de se faire récupérer. Nexus qui va tomber sur la grenade. C'était attendu, Darken sur le site qui essaye. Tant bien que mal de garder de l'espace. Spike down A. Alors, Elka qui va essayer de repositionner un fumigène, je pense, en direction du garde soit assez fait. Juste assez efficace pour pouvoir bloquer la ligne. Belle baisse de reconnaissance ici qui va nous permettre d'avoir de l'information sur les attaquants sur site. Darken qui va tomber. Elka en sera l'auteur. Le gros jump. Et c'est Mozart qui récupère un triple kill et qui va récupérer également cette diffuse de spike. Bien joué à lui. Bien joué à Mozart, bien joué à lui ou elle d'ailleurs, je ne connais pas tous les joueurs, toutes les équipes dans le tournoi. Un beau round de défense, une fois de plus on va récupérer un point à la diffuse de cette spike. C'est très bien fait, vous pouvez le voir par contre tout en haut, ça va commencer à devenir un petit peu dangereux puisque 4 des attaquants, des scotchers, eh bien, sont en position de leur ultimate contre 2 sur la défense. Ça peut être dangereux, notamment l'ultimate de Brimstone
On le sait. Launching smoke. Il est prêt à lancer les petits jets pour la QV d'Arken tout le monde d'ouverture. Sur ce couloir fish. Oh, ça a été évité de justesse ici. Merci Downout d'ailleurs pour le petit message. Je crois que le son du jeu est un petit peu élevé. Je vais le réduire juste après. Dark Gun qui va éviter cette roquette qui va partir justement pour un Ricardo qui a été assez efficace depuis le marché pour pouvoir éliminer son vis-à-vis sur le côté de A. Il n'aura personne, c'est du côté de B qu'il faut s'inquiéter. Mozart qui est complètement empêtré ici dans le duel finalement, c'est son Astra, sa collègue qui se sera débarrassée du porteur de Spike. On va retrouver finalement le Brimstone, c'est Durian. Durian, c'est pas le 1 pour 1, voilà, il avait repéré Nadir. Il ne pourra malheureusement pas contester ce point. Et c'est le 6 à 3, on remonte un petit peu, allez, hop, petite réduction des différents bruits pour coller un petit peu plus à l'ambiance. On va commencer, je pense, à reprendre un petit peu du poil de la bête. N'hésitez pas à envoyer vos plus belles emotes dans le chat pour encourager soit les scotchers, soit les fox tant. J'ai vu des fans des deux équipes. On est reparti avec justement ces scotchers qui vont s'amasser. On va courir très très vite. L'ultimate de Brimstone qui est lancé. J'en ai déjà l'Arena qui a également lancé l'impératrice. Ricardo qui va gagner son duel. Le 1 pour 1 qui va fonctionner. Nadir pour le doublé. C'est très bien fait. Il s'est extirpé avec le backdash. Parfaitement exécuté. Très très bon move de la part de la Jetty Citrons qui va remonter sur le site. On a été repéré en dessous du site. Il va falloir se cacher très rapidement. Une belle grenade courte. Et le boombot justement pour essayer de compléter la défense. On va se projeter au sol avec les satchels et c'est le doublé juste en dessous du Haven. Nadir qui va aller chercher avec cette magnifique Vandal Glitch Pop rouge le quadruple kill. Et on va laisser eh bien, à son équipe le soin d'aller chercher un point de plus. 6 à 4, toujours en faveur des scotchers, mais là on a une remontée qui est tout à fait savoureuse, tout à fait intéressante de la part de Foxtant justement. Un match qui pourrait être tout à fait équilibré, je ne sais pas ce que vous en pensez pour l'instant, moi je me régale, j'ai hâte d'en voir plus. En plus on a de l'Astra, on a pas mal de mouvements de Jet, de Raze qui sont assez intéressants, des Brimstone également, et puis pas mal de duels intéressants. Smoke's down. 3 escouades, hein. 1 sur le B, 1 sur le A, le reste sur le mid. Bonne flèche de reconnaissance de Nyx. Un Sova qui prépare bien ses flèches, c'est toujours savoureux, c'est toujours très utile. 1 pour 1, c'est Trunks qui l'aura, il va faire tomber Mozart sur ce Garden justement. La flash, la double flash à présent, on va essayer de rentrer sur ce site A. Ce site A est parfaitement défendu puisque Nadir s'était caché, il va réussir à battre la Jet. Il sera récupéré par l'Arena finalement qui garde le contrôle de ce site. Situation de 3v2 à présent. Et l'attaque qui va utiliser l'ultimate du Cypher. Énorme avantage ici, on a repéré hein, les deux défenseurs, Ricardo et justement LK. Spike planted. Avec son Astra qui est resté un petit peu en arrière. Je ne sais pas si on va les contester ce round, cette Spike. On va peut-être essayer de prendre un exit kill. Il serait, à mon avis, dangereux d'aller chercher cette Spike en 3v2. Et voilà, la réponse est apportée, c'est Ricardo qui va la porter. Triple kill de Trunks. Ici, on va essayer de contester sur la short. Et finalement, aucun diffuseur ne pourra arriver à la Spike. 4 kills pour Trunks qui continue d'enchaîner les succès sur cette équipe des scotchers en attaque. Vous le voyez, 16 kills à 7 pour l'instant. Trunks hein, qui se débrouille très très bien. Il vient de dépasser d'ailleurs Darken en nombre de kills jusqu'à présent. Dernier round, vous avez entendu. Dernier round avant le switch de side, on va pouvoir retrouver donc Foxtant en attaque cette fois-ci, les scotchers en défense. Et c'est le moment eh bien, de tout donner, d'acheter. Voilà, aucun problème économique pour les équipes jusqu'à présent.
On va avancer pas mal ici. Mozart qui a pris des risques. Le 1 pour 1 peut-être. Qui va fonctionner, Darken, pour la revanche. Justement, on n'a pas vu. On n'a pas vu. Justement, cet Astra. Derrière, ça se smoke. Qui va peut-être pouvoir faire le triple kill. Win, triple kill. Malheureusement, il sera récupéré par le Breach qui va essayer l'ultimate. La flash également pour se débarrasser des deux défenseurs sur le site B. C'est extrêmement bien joué. Il va se récupérer simplement le 1 pour 1. 1 pour 1, mais pas n'importe lequel. Nadir, l'un des meilleurs joueurs jusqu'à présent, l'un des plus efficaces de l'équipe des Fox Tant. Il est dans le market, par contre, il ne va pas soupçonner la présence. Et ça, c'est compliqué. Derrière lui, si, il va se rendre justement sur le contraire, sur le mid et surprendre directement. Magnifique flick shot ici dans la tête du Breach. Excellent travail de Nadir. Qui va offrir justement le cinquième round, 7 à 5. Et vous pouvez le voir, eh bien, les scotchers qui vont rester en supériorité pour l'instant. Je vais inverser le nom des deux équipes, bien entendu, puisqu'ils changent de side à présent. Voilà qui est fait. Non, je n'aurais pas dû, tout se passait bien. Tout se passait très bien. Voilà, Foxconn en attaque. Ils sont en rouge sur votre écran et ils ont choisi également de commencer en A, mais une petite escouade de 2. C'est d'ores et déjà glissé sur le mid. On n'a pas été repéré puisque l'arène de Trunks cherchait plutôt une ligne à droite. Il va être hors timing pour essayer de récupérer la présence. Des attaquants sur le Garden, Ricardo ici qui va pouvoir progresser, c'est bien joué. On vient d'être abattu, Nexus, incroyable, le doublé. Stacy également pour un double kill. On ne va rester plus qu'un seul attaquant, c'est LK qui sera uniquement capable d'aller chercher une belle tête sur le Breach, mais aveuglé par l'œil de l'Arena et l'œil de Sauron, elle ne pourra pas résister. On va laisser partir donc ce deuxième gun round. Pour les Fox Tant. Mais rien n'est joué, hein, bien entendu. Voilà, full spectre pour tout le monde. Petit et gros shield en fonction des envies, en fonction de la quantité d'argent disponible pour la défense. Cette défense des Scotchers qui commence plutôt bien ce deuxième side. On va voir un petit peu où on en est. Grouper à 5, c'est l'une des meilleures stratégies, effectivement, en round économique. Avec un Trunks et une Reyna là, qui pourraient faire très très mal si, en voyant ce drone de Sova, elle flashait immédiatement. Pas mal de stuff ici, ça va être un vrai carnage, peut-être le doublé, peut-être le triplé. Parfaitement sur la tête, elle va pouvoir s'échapper grâce à l'intangibilité. Le quadruplé, elle ne sera pas en mesure de le faire sur la side, c'est sûr. Nyx et le Sova. Que sera réalisé l'événement. Encore un très très bon travail de Trunks. Hein. Sur cette Reyna en défense, vous le savez bien entendu, l'agent Reyna va récompenser les joueurs qui font énormément de kills. 21 kills pour l'instant, effectivement, il arrive à parfaitement snowball sur cet agent. Round d'écho terminé, vous le voyez, hein, l'avantage de la puissance de feu va désormais passer du côté des Fox Tant en attaque et on va partir 9 à 5 pour l'instant. Très bon positionnement une fois de plus, hein. On joue très très bien côté Trunks, on s'est mis dans le petit renflement ici, de la pression qui pourrait être appliquée du côté de ce couloir, mais on n'a pas avancé pour l'instant. On va laisser peut-être le doute s'installer alors qu'on fall spray à travers la smoke ici pour le Brimstone. Un Breach qui s'avance très très loin ici. Ricardo qui aura eu le raison de Trunks justement va créer une ouverture peut-être sur le vide. Le flash, mais on va s'extirper. Mozart incroyablement précis et chanceux à travers cette smoke. Il va pouvoir éliminer son vis-à-vis. Durian au contact. Il est totalement supervé avec la spectre. Peut-être le triple kill. Il était parfaitement positionné à courte distance. Vous le savez, cette spectre est mortelle. Gun here. Énormément de fréquences de tir. Stagey va se retrouver en duo avec Nexus. Situation de 3v2.
On a une Sage qui peut rafistoler un petit peu l'équipe. Le 1 pour 1 qui va fonctionner. Malheureusement, on aura réussi qu'à Revenge, son mate tombé. Nexus 2v1, il est parfaitement attendu. Il est tout seul. Le Cypher, mais il a une bonne connaissance du terrain. Malheureusement, il n'a pas vu la jet sur le côté qui était parfaitement caché derrière cet ensemble de caisses. La perspective, la géométrie ne lui rendra pas service, malheureusement. 9 à 6. Et ce round de bonus qui est remporté sans surprise par les Fox Tant. Ils l'ont mérité, ils sont allés le chercher hein, en 2v1 finalement. Spike planté également. On n'a pas encore eu beaucoup de rounds de gagnés à l'explosion, seulement un jusqu'à présent. J'ai vu une petite question tout à l'heure, quel est le niveau moyen des équipes? Alors je ne sais pas Nomad, je ne sais pas exactement, je sais qu'on a du Diamant, on a du Immo. Également pour certains joueurs que j'ai déjà pu voir dans d'autres tournois. On a globalement des joueurs de très très bon niveau pour cette Student Cup organisée par Game Center Online et sponsorisée par nos amis de chez Corsair, bien entendu. On parlera un petit peu de Corsair tout à l'heure à la pause. Pendant que cette équipe des Foxtones prend son temps, et ils ont raison, hein, c'est bien de prendre du temps, on a une minute 45 à peu près pour chaque round afin de déployer ses stratégies. Une bonne fléchette, une bonne flèche de reconnaissance de la part du Sauvage sur le mid ici qui va laisser le doute planer. Justement Trunks qui se tient prêt à tout, bon décalage, Ricardo qui va gagner une fois de plus son duel. Hein. Maître du jardin, maître du garden, Ricardo et sa Sage. Le mur ici pour interdire l'accès, il reste un défenseur sur le site. Il sera battu immédiatement, c'est Nyx qui va s'en charger. Et à présent, les attaquants sont maîtres du site A, mais Durian est en haut. Avec cette fantôme Glitch Pop qui tarde, finalement qui ne demande qu'une chose. Essaye de tirer, il sera repéré malheureusement par la fléchette, la flèche de reconnaissance, et Nyx qui va utiliser la puissance de feu de cette vandale pour pénétrer les murs et aller chercher son adversaire. Le 1 pour 1 à présent, Darken qui se fera récupérer, Ricardo qui commence à montrer son vrai visage derrière cette Sage. On a également un joueur précis, un joueur efficace, et très clairement avec 2 kills dans ce round, et bien c'est Sage qui en sera le VIP, le MVP. 9 à 7. Un round de plus à remporter du côté des Fox Tant. Ils sont en rouge, rouge sur votre écran en attaque donc. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez. Pour ce match des plus serrés pour l'instant. Ricardo justement avec la spike sur le dos. Cette équipe d'attaque qui s'intéresse plutôt du côté B on dirait. Côté Trunks. C'est avancé sur le garden. Seulement quelques spectres, hein, vous l'avez vu tout à l'heure. On est en situation d'économie. Du côté de la défense, c'est l'opportunité d'aller chercher peut-être un petit peu plus de marge. Peut-être revenir au score. Le 9-8 qui tend les bras pour l'instant au Fox Taunt. Hein. Toujours mené par les scotchers 9 à 7, je vous le rappelle. On va se jauger un petit peu, mais les squads d'attaque, vous le voyez, commencent à se rassembler. Du côté de B. Un Brimstone, Durian qui va être sollicité très très rapidement, mais une magnifique Molotov ici pour peut-être effrayer, surprendre. Ils sont 4 derrière cette smoke justement de ce Brimstone défenseur. Durian qui va se cacher, il est parfaitement positionné ici. Le lance-roquette qui va parfaitement fonctionner sur le Brimstone au corps à corps justement, juste avant d'être abattu. Nadir qui va également faire un kill. Darken et ce Sheriff qui pourrait être parfaitement précis sur le couloir. C'est Trunks qui aura le meilleur. Mais les squads d'attaque est bien positionné, magnifique kill de loin ici sur LK qui va lancer son fumigène. On a également pu planter cette spike et c'est un 3v2 que nous propose à présent les Foxhunt. Le 1 pour 1 qui va fonctionner, serait bien joué de la part de Ricardo qui prendra le meilleur sur l'arène avant de se faire récupérer par Darken justement tout seul. La Sage, la Jet 13 HP et c'est LK qui mettra fin au round et qui mettra fin aux souffrances de la Jet justement pour aller chercher ce 8ème round dont je vous parlais. C'est excellent.
On me dit plate pour Fox et Imo en face. One second, peeps. I gotta visit the astral to play très bien, some stars. Très bien, très bien. Effectivement, je n'ai pas d'informations, hein, sur les niveaux. Je sais que on est tout de même sur de très très bons joueurs. Une game qui est assez équilibrée, hein, quoi qu'il en soit. Si on a du plate, on a peut-être du high plate diam. Du côté pour les temps de Fox, parce qu'ils s'en sortent pour l'instant très très bien, très bon jeu d'équipe qui leur permet bien de recoller au score. Je ne vois pas énormément de différence, même si on a quelques individualités très efficaces, notamment Darken et Trunks du côté des Scotchers. Tous les joueurs sont parfaitement à leur place, parfaitement dans leur rôle. 5 attaquants, ils se sont groupés. Je ne sais pas exactement pourquoi. On a quelques petits messages audio qui nous parviennent ici. Trunks qui va être bientôt submergé. Il a une vandale. Ça ne sera pas idéal pour aller chercher justement le reste des attaquants. Oh, c'est très très bien fait ça. Le mur ici qui va être aimé, qui va être construit sur le mid. Astra qui va se jeter dans la fosse au lion. Le 1 pour 1. Il va être récupéré par Mozart directement derrière. Attention, on a du Ryan également qui revient de A. Et la jet de Darken qui va pouvoir commencer à refaire pression sur ce middle. La SPAC qui est partie sur le sac à dos de Ricardo, il va essayer d'aller faire une percée du côté de B, suivi par Nyx de près. Ils font pas mal de bruit, je pense qu'ils seront repérés, hein, à l'audio par Darken ici. Le 1 pour 1, incroyablement bien réussi. Beaucoup de chance puisqu'on était en train de courir pour Ricardo avec sa Sage. On va essayer d'inspecter un petit peu les yeux ici, on est à deux. On inspecte deux fois les yeux par contre, c'est dommage. Bonne flèche de reconnaissance. La Sage qui va pouvoir s'extirper. On va planter et on va se ruer sur le site à quelques secondes. Hein. Moins de 6-7 secondes, me semble-t-il, de la fin. Ricardo qui va pouvoir se débarrasser justement du Cypher. Oh, il a repéré. Il a repéré son vis-à-vis. Le Brimstone, 16 HP, c'est compliqué. On prend pas mal de dégâts derrière. Le mur, justement, le mur en contreplaqué. Le 1 pour 1 qui va fonctionner, mais non. Cénix. Cénix, le Sova qui réalisera le dernier kill. Très bien joué de la part de ce Sova. On le rappelle, hein, l'un des agents les plus efficaces, l'un des agents les plus forts pour l'instant sur la planète Valorant, que ce soit en niveau haut ou en niveau professionnel. C'est reconnu pour l'instant de la part de tous les joueurs professionnels. Sova reste l'agent le plus fort, notamment par sa capacité de détection, par sa capacité de deny, de diffuse de spike, bien entendu. 4 ultimates, les kunai qui sont utilisés du côté de Darken, justement, qui s'apprête à recevoir des gens du côté de B. Effectivement, il a le flair, on a plutôt une présence du côté de B pour les attaquants, même si on a un petit lurker en la présence, en la personne de Mozart ici. Mozart qui pourrait être surpris, hein, dans quelques instants. Une bonne caméra de Nexus ici, mais une grenade dans le restaurant et c'en était fini. Du Cypher, cela pourrait être le cas. Peut-être le Boombot, non, il ne va pas les mettre au bon endroit. Malheureusement, il va falloir sortir pour Nexus ici. Un duel qui pourrait être intéressant. Il va s'échapper, c'est très bien fait. On dit que sur B ici, on a peine à rentrer. Une spot qui va être ratée pour cacher. Magnifique flick shot ici au shérif. Et on se retrouve en 4v2. La défense des Scotchers qui tient bon, qui même tient très bon. Jusqu'à présent, il ne reste plus que Nyx. Et la raise ici, le 1 pour 1. Nexus qui va se débarrasser de cette raise. Alix, allez, le tap-tap qui ne fonctionnera pas malheureusement. Nexus sera le plus précis à longue distance. Et Durian qui s'en sortira et va aller chercher avec son équipe, hein, avec justement Nexus, le Cypher qui est resté en vie. Un dixième point, 10 à 9. On est très proche, hein, on est très proche. On était en 9-9 le round d'avant. On est vraiment très, 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 très serré au niveau des scores. C'est une véritable régalade. Et Tracto, tu as l'air de quelqu'un de très beau. Bah écoute, tu verras bien. Tu verras bien, mon cher Tracto. On me dit que je ressemble beaucoup à Michael Youn ou à Manuel Ferrara. Out of target.
pourra en juger tout à l'heure pendant l'intermatch. Le 1 pour 1 ici qui va mal se positionner. Nexu qui va faire 2 kills, un magnifique mur ici pour essayer de conserver justement eh bien, cette défense de l'autre côté du mur. De ce fait, on ne se rend pas du tout compte pour Darken que la spike est plantée du côté de A. Ah, et voilà, on s'en rend compte à présent, on attend que le mur va s'estomper. 3v2, ils descendent à 3 sur le site, bien synchronisé, c'est bien joué. C'est vrai que ce mur offre des possibilités, malheureusement, on va permettre eh bien, à tous les défenseurs de rejoindre la spike tout de suite. Out of charges. Malheureusement, il n'y a pas d'ultimate de Sova, 5 HP pour le Sova, ça va être très compliqué, il va se faire littéralement ruer dessus. Et voilà Darken qui va aller chercher ce dernier kill. C'était un petit peu compliqué, effectivement, on aurait pu être 3. C'est logé un petit peu trop vite directement dans cette zone de restaurant pour l'attaque, pour défendre cette spike, c'était un petit peu loin. Effectivement, on est tombé à 3 également sur le site A. Situation compliquée, les Foxtant avaient peu de chance effectivement d'en réchapper dans ces conditions. On verra s'ils arrivent à conserver justement le rythme. On a du Silver aussi, nous dit Kajin. Je ne sais pas du tout. Il me semble qu'il n'y a pas de restriction hein, par rapport au niveau Trunks ici. Qui va se positionner dans le coin. Ou le double kill qui pourrait partir. Finalement, c'est Ricardo qui aura la revenge. On est en économie hein, du côté justement de cette attaque. 6 HP pour Nadir. Il attend voilà les vitamines de la Sage de Ricardo qui va lui permettre de reprendre un petit peu d'oxygène. Tandis qu'on revient sur le site B, il y a clairement de la présence en B. On pourrait envoyer quelques stuff ici pour faire partir pour infliger quelques dégâts. Le dash-up de Darken qui ne révélera aucune information pour l'instant. Et on va tenter une fake rotate peut-être. Je pensais qu'on allait rester silencieux et laisser croire à une fake rotate. Jusqu'à présent, la défense des scotchers tient bon. On a un breach, on a également un brimstone hein, du côté de A. Donc toutes les zones sont couvertes. On continue de faire du bruit du côté de B, on ne laisse donc aucune chance à l'imagination. Voilà du stuff. Ah c'est dommage, ils auraient pu faire croire à une fake rotate en envoyant peut-être une personne du côté A. Et si le reste de l'escouad était resté silencieux. Magnifique flick shot ici, magnifique headshot de LK qui va se faire récupérer par Snagey. Directement après, moins de 10 secondes pour planter la spike et lancer les BG pour le Sova qui va réussir à la planter. Malheureusement, il est tout seul et il va se retrouver en étau entre le Cypher et Snazy. Justement, magnifique headshot sur Nexus et son Cypher. Cependant, il était à la merci justement du Breach qui va diffuse cette spike, et bien que vous ne verrez pas exploser. Et c'est le match point, la balle de match. 12 à 9, on a réussi à récupérer quelques points supplémentaires. Il faut absolument revenir, il faut absolument remporter ce round pour les Foxtant qui sont en attaque. Ils doivent continuer d'y croire, ils doivent continuer leur chemin. Ils l'ont mérité hein, jusqu'à présent, les 9 points qu'ils ont pris n'ont pas été pris par hasard. Et on a un opérateur équipé sur les épaules de Darken, ça pourrait très très mal se passer si quelqu'un s'avisait de rentrer sur le mid. Pour l'instant, cette ligne n'est pas la bonne. La ligne qui tient n'est pas la bonne. Il va malheureusement prendre celle du top mid, ça pourrait être compliqué. Caméra de Cypher détruite sur ce site B. On a à présent la position des différents attaquants. Bonne molotov pour temporiser un petit peu. Et là, c'est le push. Je pense qu'on va pusher hein. Du côté mid, peut-être. On ne push pas. Peut-être pas encore assez. Bonne ligne justement de la part de la raise. On va essayer de sauter sur le site, on sera récupéré. Le 1 point qui va fonctionner, LK qui fait une fois de plus une victime. Situation de 3v2, la défense avec cet opérateur sur le top, ça va être compliqué. On va revive quelqu'un à découvert. Le 1 pour 1 finalement, Ricardo aura raison du meurtrier de ses coéquipiers. Spike planté, 2v1. L'arena qui peut utiliser son ultimate. Il va falloir le faire pour pouvoir gagner du temps, peut-être de la précision. On n'arrive pas à aller chercher les attaquants qui sont juste en dessous.
Et c'est Ricardo, une fois de plus, qui nous régale. Très très bon travail de la Sage. De Ricardo, qui remonte. On s'octroie un round de plus, le 12-10. Très bien fait. Endgame tout à fait équilibré, comme je vous le disais. On a du mal par contre, on a du mal à acheter. Hein. De part et d'autre, Nadir qui va conserver simplement un shérif. Mais il a ses kunai de toute façon. Il a ses kunai. Je ne comprends pas pourquoi il n'achète pas par contre un grand shield, un full shield. 5 attaquants sur cette place B. Juste avant de rentrer, peut-être sur le site, on teste une nouvelle stratégie. Aucun bruit. Cette flèche de reconnaissance qui va être mise en place, peut-être direction B, ça va être compliqué. On a un magnifique crossfire ici qui est engagé par Trunks et Darken. Parfait crossfire d'ailleurs dans ses angles en 50-50. Ça va devenir dangereux pour cette équipe d'attaque qui ne se doute rien. Peut-être ce drone pourra-t-il aller chercher des informations. On a la position de l'un des défenseurs. C'est bien fait, il va pouvoir le faire suivre et justement s'octroyer un petit peu de précision. Mozart qui va se débarrasser justement de cette jet un petit peu gênante. C'est bien fait ça de la part de la race pour aller chercher le breach. Il ne reste plus que deux défenseurs. Le 1 pour ici, Nexus qui ne tiendra pas. Malheureusement, il ne reste plus que Durian et son Brimstone. Sur la longue B, il va être smoké dans quelques instants. Il a vu le Boombot passer qui est à destination justement de son emplacement. Il va peut-être pouvoir l'éviter. Sera-t-il détecté? Il me semble que non. Voilà le Boombot détruit. Bonne ligne pour aller chercher peut-être cette race. Si sur le côté, sur le mid, on est 4 sur le site. 12-10 et le Brimstone qui peut aller chercher s'il fait 4 kills. La victoire, ça va être un peu compliqué. Il est repéré à présent. Le duel magnifique. Headshot ici sur cette raise. Il va essayer de balancer quelques coups de semonce à travers. Oh, magnifique. Double flick shot. Très bien joué de la part de Ruyan. Il va être dans le crossfire ici. La Sage qui va surgir de la gauche de ses caisses de réalité. On récupère également l'opérateur. Ça va être un peu compliqué malheureusement. Et c'est LK qui se fera surprendre à quelques pixels près. On va tomber. On récupère un round de plus. Deux rounds consécutifs pour les Fox Taunt qui récupèrent donc le 11 à 12. Ils sont à un point. Ils doivent encore une fois reprendre ce round-là pour se permettre eh bien, de partir en overtime. Et on espère hein, pour la beauté du spectacle que ce sera le cas. Ultimate de Trunks qui est engagé. On était un petit peu plus confortable hein, jusqu'à présent pour l'équipe de la défense, les Scotchers. Il va falloir cette fois-ci être beaucoup plus prudent puisque là, la correctionnelle nous attend, nous tend les bras dans quelques instants peut-être. On est accompagné de Darken, toujours aussi précis, incroyable. Une belle tête ici qui va fonctionner, le 1 pour 1. Malheureusement, il sera récupéré. Bien timé, bon travail de Mozart qui va aller chercher justement cette Reyna. Et on se procure le 3v3 hein, pour cette équipe d'attaque. Durian ici qui est bien positionné. Il va être aux premières loges lorsque l'escouade d'attaque va pénétrer sur le site. Nyx qui envoie son drone une fois de plus qui n'a pas repéré Durian justement le Brimstone sur cette longue. Ricardo qui va revive LK justement pour se procurer le 4v3 qui leur permettrait peut-être d'aller chercher ce 12e point. Mozart pour le retour. Il va falloir peut-être rentrer sur le site rapidement sans quoi on va être englué, on va être complètement encerclé sur cette zone. Allez, Mozart toujours dans ce coin ici. Quelques coups de semonce. 27 secondes avant de planter la spike. On va pouvoir se diriger sur le site. On clear justement tous les angles de ce site. C'est bien joué. On va pouvoir planter cette spike. À présent, Durian pour l'ultimate qui va faire pas mal de dégâts. On va faire tomber justement cette Sage. Mozart pour le triple kill. L'ultimate qui va peut-être partir ici sur le site. Il faut qu'il la lance maintenant pour pouvoir récupérer le Brimstone. Il ne pourra pas malheureusement. Ça va être trop tard. Il est un petit peu trop à droite. Malheureusement, le joueur de Raze. C'est passé à quelques centimètres, la grenade gigonne qui va faire finalement qu'un peu de bruit, pas de dégâts, la raise qui va essayer de surgir de l'autre côté, on va suivre le Brimstone, il va être bientôt complètement encerclé, il est en danger, il s'est repéré, directement tué dans le dos, incroyable retour
des Fox Taunts 12 à 12 qui vont aller chercher l'égalité et l'overtime pour cette première rencontre de la soirée dans cette Student Cup Valorant. Incroyable retour, très bonne performance également de Mozart et de cette Raze, hein, vous l'avez vu tout au long de la soirée, pour l'instant qui nous a régalé. On va donc changer de side, vous l'avez compris, pour cette overtime, pour ces prolongations en français. 12 à 12, il faut obtenir 2 points d'écart, donc 2 points d'affilée à remporter. C'est tout à fait possible pour l'une ou l'autre des deux équipes. On l'a vu, je pense que le moral va être un petit peu étiolé de la part des scotchers. Cette équipe qui sont donc en attaque à présent, en rouge sur votre écran. Ici, ils se sont séparés un petit peu le travail. On a du monde sur le mid. Une bonne smoke qui va cacher justement la flèche de reconnaissance du Sova. Toujours très efficace, hein, ces flèches de reconnaissance justement. L'arena de Trunks en ouverture peut-être sur le Garden. On a été emmuré, il va falloir attendre un petit peu. Un bon slow ici de Ricardo. Très pertinent, qui va engluer un petit peu tous les attaquants ici. Et on va se masser. On va se masser de part et d'autre de ce mur. Voilà, on est deux. Un Boobot qui va partir. C'est bien fait, instantanément détruit par Trunks. On commence à perdre un petit peu de temps. Peut-être un petit peu patience aussi. Du côté des Scotchers qui sont toujours là. Darken qui réussira son kill sur Mozart. Malheureusement, la Raze qui va tomber. Les exploits des rounds passés ne pourront pas être égalés. Ricardo essaie de jouer un petit peu avec la ligne de cette smoke et c'est bien fait. Malheureusement, c'est un fake et l'ensemble de l'équipe d'attaque va se retrouver en direction de B. On va courir, on est éliminé. LK qui va pouvoir faire un magnifique kill. Joli headshot ici sur le Brimstone alors qu'il reste le Cypher pour prendre de l'espace. Allez poser cette spec. Nexus qui va s'en occuper justement. Trois attaquants restants. Bien joué. 4 kills. LK qui va éliminer coup sur coup l'arena et le Cypher. Il ne reste plus que le Breach éliminé à travers les murs. Ricardo qui était là juste à temps et qui fera le travail une fois de plus. La Sage qui régale. Ricardo, si tu regardes ce replay, cette VOD, c'est du très bon travail sur ce round-ci notamment. Allez, avantage du coup à l'équipe des Fox Taunts qui ont réussi leur round de défense. Il passe donc à présent en attaque. Mozart en ouverture. Normal, il est en tri. Suivi de près par Nyx. Une utilisation, un usage de son drone pourrait être tout à fait intéressante en tout cas. La Raze qui va essayer de chercher une ligne, c'est compliqué. La Mozart n'aura pas la bonne géométrie. Laissez-moi vous montrer, il va avoir énormément de chemin à faire pour aller chercher justement le point de vue de cette jet. Darken qui va essayer de se jeter. On va s'extirper. Un joli dash. Malheureusement, on est repéré. On va peut-être pouvoir rentrer sur le site. Le Garden Market également qui a été repéré. C'est le Breach qui va devoir essayer de résister un petit peu. Darken qui élimine Mozart justement. Toujours au même endroit. Un petit peu répétitif malheureusement. La Raze se fera éliminer. LK dans le backside qui va sécuriser un petit peu l'accès. Lens Smoke qui va devoir partir assez rapidement. Voilà qui est fait. Il n'est plus que deux. LK qui est éliminé. Il ne reste plus que le Sova de Nyx. Et c'est malheureusement une partie de plaisir. Flawless, c'est un round sans faille du côté des scotchers qui récupèrent sans problème cette défense. 13 à 13 et l'overtime qui se poursuit. J'envoie un petit message. Smoke's down.
Et un petit message pour Claudine, l'une des organisatrices, qui nous demandait de retarder un petit peu le match suivant, puisque là on est sur la fin, on prend tout notre temps. Pour l'instant c'est parfaitement serré. Allez, 1 pour 1, Trunks qui a réussi une élimination ici sur Nadir. Nadir très efficace sur la première partie de cette map. On cherche un Ricardo à travers la smoke. Ricardo qui n'aura pas la ligne intéressante. Et Trunks va en profiter justement. Mozart sur le top ici. Il est un petit peu acculé. Du côté de la window, on a cassé cette porte peut-être. Quelques pixels qui vont dépasser de la casquette de cette raise. Le 1 pour 1, ça n'a pas fonctionné finalement, puisque le bridge était parfaitement positionné en dessous de cette hauteur. Et le triplé de Snazy qui ne va laisser aucun doute sur l'intérêt de l'utilisation d'un bridge sur cette équipe. Les scotchers qui réussissent parfaitement ce round d'attaque, ils vont aller chercher l'avantage 14 à 13. Ils passent donc maintenant en défense. Vous pouvez vous fier bien entendu hein, aux couleurs qui sont affichées sur l'écran. En rouge, les escouades d'attaque. En vert turquoise, les escouades de défense. Et on change tour à tour pour l'instant. De retour sur cette équipe d'attaque des Foxtants, qui vont essayer de commencer plutôt du côté top mid. On va envoyer, comme d'habitude, une très bonne flèche de reconnaissance ici qui ne révélera la présence de personne sur cette zone du petit mid. On a vu l'arme dépasser, le 1 pour 1 ici, Ricardo qui va avec sa Sage en profiter. Un drone immédiatement pour essayer d'agrandir son champ de vision. On trouvera peut-être le Cypher à l'intérieur, mais non, on a pris, finalement on n'a pas pris le temps. On a dashé directement pour Nadir, on n'a pas repéré le Cypher derrière. On va pouvoir avoir énormément de chance en le récupérant depuis le top. Darken qui va faire le travail. Durian sur le top, le triple kill et une Molotov qui va partir. Attention à la Raze qui est toute seule un petit peu sur le côté ici, mais qui a encore toutes ses chances de pouvoir faire le clutch. Il ne faut absolument pas perdre ce round, sinon Mozart et ses coéquipiers vont s'incliner cette fois-ci. Peut-être une grenade ici, on l'a vu sur le côté. Malheureusement, Trunks, c'était le plus rapide. Trunks était le plus rapide. Et on va aller justement, vous pouvez le voir hein, sur l'écran, on va pouvoir aller eh bien, chercher cette victoire du côté des scotchers qui s'imposent donc 15 à 13 dans cette rencontre extrêmement serrée. Hop. On va envoyer un petit message. Avec un Trunks un très très en forme. Darken également qui était tout à fait précis. Petite mention, effectivement, petite mention à Ricardo qui était toujours dans les finitions, les bons coups. Mozart également. On a vu pas mal de gens. Finalement, l'ensemble, je dirais que l'ensemble des joueurs. On va retourner, hop, voilà, on va retourner sur mon visage. L'ensemble des joueurs était tout à fait pertinent. Hop. La VOD, je les encourage, c'est top. Vraiment, vraiment très sympa, très très pertinent. Et je vais envoyer le top pour récupérer justement eh bien, l'équipe suivante. Impeccable, c'est good. C'est good. On va pouvoir. Changer. Hop, GL pour la suite. Je change de match. Allez, bye bye les amis. Voilà, on va bientôt se retrouver pour le match suivant dans cette Student Cup Valorant organisée par le Game Center Online et sponsorisée par nos amis de chez Corsair. Je vais vous proposer le temps
de mettre tout ça en place, de mettre le prochain match en place, d'accueillir les joueurs et de les rejoindre, eh bien, je vais vous proposer de faire une petite pause, tout simplement, de quelques minutes. Voilà, ça va me permettre également d'aller boire un petit coup et de vous retrouver eh bien, dans allez, quelques minutes à peine. Je pense qu'on va commencer vraiment dans quelques minutes. Donc, n'hésitez pas à envoyer vos plus belles emotes aux équipes lorsqu'elles vont arriver. On se retrouve dans quelques instants, les amis. À tout à l'heure.
De retour, les amis, de retour sur cette Student Cup organisée par le Game Center Online et sponsorisée par Corsair. On a de la chance, on a de la chance, on a du sponsoring de Corsair. Je suis le cylindre et je suis votre host et votre caster pour la suite de ce tournoi. On est sur le point de débuter le match suivant. Voilà, je suis en train de récupérer des invitations de la part des différents joueurs pour aller chercher la prochaine game. On a vu en première partie eh bien, les Scotchers face à Foxtant, un match vraiment très très serré sur Ascent, justement, qui s'est fini en 15 à 13. C'est donc les Scotchers qui ont remporté la victoire. Et vous pouvez le voir bien juste au-dessus de moi. On va aller dans quelques instants chercher le match DEH eSport contre les RS eSport. Voilà, je pense que Join Party. Je crois que j'y suis. C'est bien ici. Voilà, parfait. On est dans la game, les amis. Hop. Allez, GLHF. Je suis ready. Rêvez. Faites-nous rêver, les gars. On est prêt, on est dans la game et on va donc partir sur, on va partir donc sur la prochaine map. La prochaine map pour l'instant n'a pas encore été sélectionnée. On est positionné sur Ascent, mais je pense que ce ne sera pas Ascent. Donc voilà, on va, hop, voilà, je vais envoyer un petit peu tout ça. Effectivement, petit air de ressemblance avec Michael Youn, tout à fait. Le petit, si on va le voir, le petit coussin, le cylindre qui est là également. Alors, j'en profite un petit peu pour lire, pour vous lire. Quelqu'un qui fait une mise à jour au Windows. C'est pas, c'était le temps. Alors, il y a eu pas mal de petits soucis de temps en temps pour les tournois comme ça, pour Valorant, pour aller rejoindre les joueurs. Donc hop. Et c'est good. Et on a mis, ouais, effectivement, ouais. C'est bon. J'ai fait passer l'information à Claudine, notre chère Claudine, hein, qu'on embrasse. Que tout se passe bien. On est parti, les amis, dans la sélection, dans la game. On va aller voir ça tout de suite. Allez. DEH en défense. On aura donc le plaisir bien d'avoir les RS eSport en attaque. Et on va pouvoir commencer les sélections. On retourne sur Ascent hein, pour ceux qui étaient avec nous tout à l'heure. On avait déjà vu cette première map. Et t'as oublié le je suis le plus beau aussi, Tracto. Tracto qui me régale. Voilà, sélection des agents qui est en train de s'effectuer. On voit deux Reyna, c'est effectivement deux Sage, c'est de très bonne augure. Je vois deux Omen aussi qui pourraient pointer le bout de son nez. Deux Brimstone, une double complémentarité de Smoke. Ce ne serait pas du luxe, effectivement, sur Ascent, qui est une map qui a besoin justement de Smoker. Choose your agent. Et un Breach, choisi par Waiko. Un excellent choix, effectivement, un agent vraiment sous-coté qui en équipe fait des merveilles. Cypher pour la défense hein, du côté de Lucagod. Et l'espace d'un instant, on a vu quelques fragments de niveaux. Donc on est plutôt sur des niveaux immortal. Diamant immortal, me semble-t-il, hein, pour l'ensemble des joueurs. Si vous avez des informations sur la team, n'hésitez pas. Et puis n'hésitez pas à prédire. Voilà, je vois que les modos normalement ont déjà fait le travail au moment où vous entendrez ma voix. La prédiction devra d'ores et déjà être terminée a priori.
Alors, est-ce qu'on a bien... Voilà. Ben, c'est parfait. DEH eSports en défense. Donc, vous les retrouverez en vert turquoise sur votre écran. Les RS en attaque. Et on va partir donc dans quelques instants avec DRS, justement, une escouade d'attaque qui s'est masée. Bah c'est plutôt du côté du B. On a pris un très très rapide kill ici, c'est Faison qui s'en est chargé avec ce magnifique Ghost Cavalier, bien entendu, sur le mid. On va retrouver l'ensemble de l'escouade de l'attaque qui est reparti. Waiko qui pourra faire un kill également avec son Breach. Peut-être un petit stun pour pouvoir ralentir ces attaquants. Malheureusement, personne ne les arrêtera. Et on a Faraday et sa bande qui sont partis eh bien, du côté de A. On a pris le site. Fermez la porte. Peut-être quelques smokes qui vont partir pour le Brimstone. Non, il n'a plus aucun stuff, me semble-t-il. Très très peu de stuff. Hein. D'ores et déjà, tout essayé et tout utilisé. On distribue quelques vitamines par la Sage. Bien entendu. C'est parti. C'est de trouver des lignes. Naiko qui est très solide. Le quadruplé de cette Sage qui ira chercher l'ensemble de l'équipe mise à part. Un kill récupéré par le Brimstone. Et ça commence d'ores et déjà très bien. Et cette Sage qui régale, qui nous régale la bedaine. La spike a bien été prise et on va pouvoir, eh bien, continuer d'avancer. Premier round remporté par les RS eSports, donc le gun round. On va aller se procurer un petit arsenal, on n'est pas très très dépensier, vous pouvez le voir, hein. Seulement 3 spectres. Conserve un petit peu de gaz sous la pédale a priori. Ce qui est une stratégie tout à fait raisonnable et raisonnée. Et quelques smokes qu'on a fait. Preuve de présence ici sur cette zone 2B. On a récupéré une première tête sur A. Voilà, Miyu également de la team RS qui va faire le kill. Le doublé ici, Arc qui va la récupérer en dessous du backside. Et il ne reste plus que deux défenseurs. Bashi ici depuis le market qui se fera éliminer. Malheureusement, elle avait réussi à envoyer quelques dégâts dans la tête de son adversaire. Et Waiko qui va devoir back. Seulement un shérif 33 HP, ça va être très rapide. Arc qui prendra le triplé, pas de soucis, pas de panique. C'était le round économique, hein, bien entendu, et on avait économisé de manière tout à fait forte pour les DEH eSports. D'ailleurs, si vous savez ce que veut dire DEH et RS, eh bien, n'hésitez pas à me le dire dans le chat. N'hésitez pas aussi à spammer vos meilleures icônes, vos meilleurs encouragements pour vos deux équipes favorites. Allez, gun round a remporté ainsi que le bonus round. On va partir maintenant sur, eh bien, sur le round de bonus. Sur le round de bonus ici. Puissance de feu un petit peu supérieure. Théoriquement, pour cette défense de la team DEH. S'équipera de fantômes de Vandal en information sur la présence ennemis dans ce couloir. Fiche ici à Kinil, le plus proche de l'action bientôt, avec une jet qui va prendre une ligne un petit peu ouverte. Miyu ici qui pourrait être en danger. Son seul Stinger pourrait faire pâle figure face à la puissance de la Vandale. Malheureusement, il a bénéficié d'un magnifique timing ici pour aller sur la gauche. Je pense qu'on a été repéré. Pas de tir de ce monstre à travers cette smoke. Le travers qui sera un petit peu tardif malheureusement et va se faire de fausses illusions. Bon travail ici de timing. Miyu qui surgit comme un beau diable ici. Peut-être prendre le doublé sur le market. On va perdre quelques points de vie. Récupéré par Psion. C'est bien fait. Obuki qui ne lui laissera que peu de place. Profitez bien d'ailleurs, hein, de l'utilisation du petit ce soir, les amis. Puisqu'à partir du patch 2.06 de demain, le Bucky va être considérablement nerfé. Sera donc moins puissant. Voilà le Cypher qui se fait récupérer par
la hauteur. Et c'est finalement chrono de l'équipe des EH. 7 équipe de défense qui va aller chercher son premier point. Pas de soucis. Voilà, il faut conserver une vandale. Néanmoins, arme de meilleure facture. L'équipe de la défense donc qui récupère ce premier point. Pas de soucis pour l'instant. On est dans le classique. Hein. Les deux premiers récupérés par une équipe. Le troisième par la suivante. De l'économie hein, qui va être mise à mal par contre pour la défense. Des DEH, on a beaucoup investi tout à l'heure. Il va falloir racheter un maximum. Et ben, de l'autre côté, on a pu économiser sur la ronde précédente. Je vois Miu avec un opérateur qui pourrait devenir dangereux avec cette jet justement. Voilà qui est fait, je vous l'avais prédit en une seconde à peine. Ça s'est passé, il a repéré également le Omen sur le côté qui va passer un sale quart d'heure s'il se fait récupérer sur ce contact chrono qui ne peut plus bouger à présent. S'il veut pouvoir survivre, il l'a fait malheureusement et il a été puni directement. Sion et ce Bucky qui pourrait être la clé, la surprise peut-être. On n'est plus que deux du côté de la défense. Akinil qui s'attend à voir des surgir. Des attaquants qui ne viendront jamais. Ark et ses amis qui ont d'ores et déjà pris la zone ici. Le 1 pour 1 Psyon incroyable, invincible. Avec ce Bucky, il s'empare de l'opérateur. Et j'ai l'impression qu'on ne va pas aller jouer le duel directement hein, pour les DEH eSports. Akinil qui revient du market, du Garden par le market justement. Prise de position, je ne sais pas exactement ce qu'on cherche puisqu'on pourrait très très facilement se faire récupérer par la hauteur si quelqu'un eh bien, s'amusait à venir par là. Il n'en sera rien. Le reste de l'escouade de l'attaque va s'échapper pour pouvoir éviter l'explosion de Spike. Ok, on va sauvegarder ses armes. C'est une stratégie tout à fait louable pour l'instant. On est au début, hein. Au début de ce round, un opérateur dans les mains de Psyon qui a été pour l'instant tout à fait efficace avec son Bucky pourrait être la clé de voûte de cette première partie de carte. Effectivement, 3 minutes de délai, hein, je vous le rappelle, pour pouvoir protéger un petit peu l'intégrité compétitive. Allez, 1 pour 1 ici, Naiko qui va faire tomber son vis-à-vis. C'est bien joué, on a fait tomber également pas mal de monde sur le milieu. Voilà, reprendre de l'espace. Ark qui continue de snowball, le doublé sur Waiko ici qui s'était retrouvé un petit peu acculé sur cette zone. Akinil qui ne va pas pouvoir tenir malheureusement, c'est Miu qui a été le plus précis. Il ne reste plus que Bashi et Sarena. On a néanmoins une spectre. On a activé également l'impératrice, hein, l'ultimate de cette Rena. Ce qui va lui conférer une fréquence de feu incroyable. On va essayer et chercher peut-être cette vandale. On a échappé au pire, 24 HP. Il va falloir faire un kit pour pouvoir récupérer de la vie. Malheureusement c'est le triplé de Ark qui s'était juché et insinué directement sur le middle, sur ce market bien fait. La triplette de Ark, toujours très solide, hein, effectivement, sur ses appuis. Pas de panique, hein, c'est toujours le début de la game. Il n'y a absolument aucun risque pour l'instant pour la team DEH. L'équipe RS eSport en attaque toujours en rouge sur votre écran qui s'est séparé en 3 escouades. C'est une bonne solution effectivement. Ça permet de varier un petit peu les plaisirs. On ne laisse pas l'adversaire justement s'habituer à telle ou telle chose. Bashi ici qui s'est avancé. Il n'a pas repéré l'adversaire juste au-dessus de lui. Incroyable, Naiko qui n'a pas repéré non plus. L'Arena qui est passée juste derrière elle. Mais que se passe-t-il, les gars? Que se passe-t-il? Regardez-moi ça. Ils étaient à quelques centimètres. Que s'est-il passé? Ah, je pense quand il reverra la VOD, il va s'en vouloir. Sion qui va louper son kill au Bucky, malheureusement. Et Miu
pour le doubler. Magnifique double headshot avec cette bandane rouge écarlate qui brille de mille feux et parfaitement efficace. Arc qui ne trouvera pas non plus le triplé puisque c'est Mew qui va s'en charger sur le Omen de la team DEH. On s'est imposé sur ce round un petit peu léger, on était économiquement un petit peu léger du côté de l'équipe de la défense pour l'instant. Allez, 5 à 1. On va essayer d'avancer. Ouh, le Omen qui était parfaitement au contact. Ça aura marché. C'est vraiment très très audacieux. Il se téléporte tout en haut de la cabane. Il fait tomber le porteur de Smack. C'est bien joué. Peut-être le troisième kill ici qui pourra être réalisé. On va se munir également d'un fantôme. Fantôme galérien magnifique. On va essayer d'aller chercher peut-être cette Reyna. Incroyable prestation de Chrono qui va aller sécuriser le troisième kill. C'est Psyon en réalité qui l'aura effectué. Avec cette grenade, incroyable retournement de situation de la part de la team DEH. Et on va se procurer le 3v1 à présent. Naiko qui est juché sur son mur, repéré, abattu par Psyon. Et cet opérateur qui va parfaitement fonctionner. Attention à ne pas perdre de vie, Psyon. On est passé très très proche. Mais ça marche, 5 à 2. Et c'est un magnifique round de défense de la team DEH qui, pour le coup, s'est retrouvé en posture offensive. On est allé chercher très très vite, très très loin de l'espace du contact, notamment Chrono et son Omen qui sont l'homme de ce round qui vont permettre eh bien, d'aller chercher un petit peu l'espace. Un mur instantané installé pour pouvoir calmer les ardeurs de cette attaque DRS qui s'est juste justement dans ce couloir fiche. On va échanger quelques politesses ici, pas de risque pour l'instant. Attention, Waiko qui n'a pas soupçonné la présence de Arc justement sur ce vide là, qui pourrait prendre une information, peut-être une tête des plus spéciales. Chrono qui va être mis à mal dans quelques instants et il ne soupçonne pas en face de lui la présence justement des attaquants qui arrivent par le market et on arrive de partout. Voilà, on est complètement submergé, il ne reste plus que deux défenseurs ici, Psyon et Waiko qui vont peut-être arriver derrière le market. Malheureusement, on ne succombera qu'au coup de l'attaque. Flashé, il va falloir sauvegarder cet opérateur. Ça va être trop compliqué. Faraday qui s'était glissé juste derrière cette raise. Et c'est un magnifique round d'attaque de la part des RS eSports. Très bien joué, très bien joué. On a parfaitement joué. On a parfaitement soufflé le chaud et le froid. Patienter du côté de B, on a créé un petit trou du côté du mid et là on a pu eh bien, prendre en étau tout le contenu de ce site B pour la défense. 6 à 2 et les RS eSports qui commencent à prendre un petit peu le large, prendre de la hauteur comme ma caméra tout de suite. Échange nourri, échange rapide sur cette longueur de A, une fois de plus on a Psyon qui va essayer de faire usage au mieux de ses spells. On s'est bien joué ça au contact, il aurait pu prendre un petit peu plus de kills. Il va se retrouver en face de trois attaquants qui se ruent sur lui et qui vont prendre cet espace, qui vont directement aller chercher ce site A. On est en économie hein, du côté de la défense. Il ne reste plus que deux défenseurs, justement plus qu'un Mew qui fera usage de son opérateur. Ça va être compliqué pour Akinid qui est tout seul. La Stinger, une arme assez peu pertinente à ce moment précis de la game, et c'est Naiko qui complétera justement le tableau de chasse de cette équipe des RS qui nous a fait un flawless sans faille. Effectivement, aucune mort à déplorer du côté de cette équipe d'attaque. 7 à 2, on est d'ores et déjà dans le 10e round les amis. Et ça commence à devenir un petit peu compliqué. Arc le baisse, je vois quelques trucs. Est-ce qu'il faudrait l'appeler Arch? Je l'appelle Arc à l'anglaise. Allez, on attend un petit peu. Temporiser ces deux bonnes alois. Justement, il va falloir aller chercher la temporisation. Le timing peut-être qui peut être la clé. Naiko
sur le mid-link, ici. Chercher à faire un peu de présence du côté de B. Faraday qui va prendre des dégâts, il sera éliminé par Waiko et la patate à travers le mur, c'est bien fait. C'est un petit peu dommage, malheureusement il avait l'espace hein, pour pouvoir s'échapper. Le 1 pour 1, duel de Sage, finalement Akinid qui va s'incliner face à son homologue. Et sur le mid, Waiko qui serait parfaitement en ligne cassée pour aller chercher le reste. Quelques coups de semence, mais qui ne lui sont pas directement destinés, puisqu'on ne l'a pas repéré pour l'instant. Zion avec son ultimate qui va peut-être faire le double kill. Il sera empêché directement par Ark, justement, qui a surgi comme un beau diable. On va essayer de chercher également l'espace sur le site B, et c'est totalement pris. Il ne reste plus que l'Arena. L'Arena de Bashik qui a du mal à éliminer le porteur d'opérateur. Il sera récupéré finalement par l'autre Reyna. Ark pour le doubler. Belle prestation, un round haut en couleur et là on va se diriger eh bien, les amis vers un 8 à 2, ça commence à sentir mauvais, ça commence à sentir très mauvais pour l'équipe DEH qui est en défense, qui a du mal pour l'instant à résister. On enchaîne les rounds à la fois armés et les rounds économiques. Le moral qui doit commencer à souffrir un petit peu également. Deux ultimates sur l'attaque, 3 sur la défense. Peut-être aller chercher eh bien, justement des solutions. Chrono qui va tenter de pousser un petit peu en avant. Alors que Ark va une fois de plus aller éliminer Bashi. On joue néanmoins très agressif. Waiko qui va essayer de chercher peut-être une solution ici. Il va faire pas mal de dégâts sur l'arena qui va se soigner directement. Retour à la case départ. Psyon sur le top, Akinid qui revient, 2B. Je pense qu'on va être, également attendu hein, de ce côté-là. Allez, la Sage, peut-être ici pour le duel. Malheureusement, Naiko aura le meilleur sur son adversaire. C'est bien fait de la part de Akinid ici qui prend une tête. Il ne va pas soupçonner malheureusement la présence de l'autre Sage et se fera récupérer, se fera abattre d'une balle dans la tête. Par l'autre Sage. Dernier round, on est en 9 à 2. Une partie un petit peu plus expéditive hein, que le match précédent. On est d'ores et déjà à 4 rounds de la victoire pour les RS eSports. Ils sont en attaque. Et c'est le dernier round d'attaque pour eux. Justement, ils sont en rouge. Vous pouvez les voir ici. Ils se préparent à exécuter leur stratégie sur le site B. Ils seront attendus. Retardé par Akinid, justement, peut-être un slow ici, on prend de l'espace, 6 HP, il faut être prudent pour la Sage, qui reste un petit peu au milieu du chemin. Et on décide de rester à 5 pour l'instant pour l'attaque. Un ping sur le Garden A, ici le Kubi, où il n'y aura finalement plus personne. On va se retirer un petit peu, il faut renouveler sa puissance de feu du côté de la défense. Bashi qui s'avance un petit peu, il soupçonne la présence. Deux personnes sur le côté, il n'arrivera pas à trouver le kill sur le Cypher justement. Et on a d'ores et déjà repéré le deuxième adversaire. C'est Waiko un petit peu sur le fond. Ici, compliqué d'aller détruire justement cet œil. On cherche une surface pour flasher, sans flasher son collègue. Et pendant ce temps-là, eh bien, les squads d'attaque vont se rendre en direction de cette zone de A. Un beau kill à l'opérateur ici. Ultimate de Waiko pour aller revive justement. Ark qui est l'une des pièces maîtresses de cette équipe, le Brookstone qui a pas mal de travail ici. Alors que j'ai l'impression qu'on a perdu Bashi malheureusement. Non c'est bon, il bouge encore. Peut-être une temporaire déconnexion. Il ne reste plus que deux défenseurs justement. Akinil qui va louper son travers, il n'a pas d'information justement sur la présence et la situation du Cypher. On va chercher une tête, c'est Mew qui s'était juché sur la hauteur, qui s'en chargera malheureusement. Naiko qui ira chercher également Ark pour le dernier. On me dit effectivement qu'on est sur un niveau Silver Gold contre Imo Radiant, ce qui pourrait effectivement indiquer un petit peu cette différence peut-être de niveau. Quoi qu'il en soit, pour l'instant les DEH n'ont pas démérité. Ils ont réussi à aller chercher deux rounds sur cette équipe. Changement de side à présent. Et cette équipe des vaches va pouvoir nous montrer eh bien, ce qu'elle sait faire.
dans cette partie d'attaque. À présent, on avance à 5. Alors, on a fait un petit peu de bruit du côté de ce couloir fish. Ah bah, abattu directement. Liu, il n'a pas laissé le choix. Le 1 pour 1, Chrono qui va se débarrasser justement de Lucarne. Allez, il faut prendre de l'espace ici. Akinil, d'ores et déjà sur le site. 10 à 2, je vous le rappelle, pour la défense, ils sont plus que deux. Naiko qui va être stun sur le market. Il a été repéré partiellement, en tout cas Faraday qui va revenir également sur cette zone de City. Repéré le duel qui peut fonctionner. On cherche toujours des solutions, ça va être compliqué un petit peu pour le Frenzy si on ne s'approche pas pour Faraday. 25 HP, il va être éliminé. Pourtant, il avait réussi un beau headshot ici sur le casque de Zion. Le doublé de Naiko peut-être, le triplé, non. L'équipe DEH va leur interdire ce plaisir. Et c'est un magnifique triplé de la Raze qui va leur permettre d'aller chercher un round de plus. 10 à 13, toujours en faveur des RS qui sont en défense. Mais la team DEH n'a pas dit son dernier mot. Ils vont aller chercher le gun round numéro 2 et donc se procurer un maximum de puissance de feu. Voilà, je vois 4 spectres d'ores et déjà. On va également avoir un Marshall pour Waiko. Cette équipe d'attaque qui va essayer de faire au mieux avec cette puissance de feu. Justement, n'hésitez pas à spammer. N'hésitez pas à spammer vos meilleurs emotes pour encourager vos équipes favorites. 10 à 2, Miyuki aura fait usage de son classique, ça va fonctionner. Belle tête sur le Omen. Avec le dash up, ça a été assez rapide. Alors qu'on se balade sur le mid, voilà qui est fait, le duel encore remporté par Psyon. Un pour un peut-être sur la hauteur ici, on l'a repéré, il a été vu quelques pixels un peu à gauche. Également, on en a deux. Ça va être compliqué de résister peut-être le deuxième. Mais non, le Cypher s'en sera chargé. Spike planté à présent. Et deux défenseurs qui pourraient rester. Miu qui va revenir. Qui est d'ores et déjà sur le zone B. Je ne sais pas ce que fait Miu justement aussi loin. Avait-il l'information de la localisation de cette Spike? Lucagot qui va rester en arrière pour un exit kill. J'ai l'impression qu'on va chercher plutôt les exits. D'aller chercher des armes un petit peu à gauche, à droite. On récupère également et bien deux spectres pour l'un et pour l'autre. Akinil qui fera le finish sur Lucas. 10 à 4. S'ils sont effectivement Silver Gold, on est plutôt bien. Et on va se permettre d'aller chercher deux rounds d'affilée. Est-ce que la team RS va leur laisser l'opportunité de faire justement un troisième round de réussite? C'est le bonus round à présent. On a trois vandales du côté de cette team RS eSports. Un fantôme et une spectre pour Faraday qui ne pouvait pas se permettre plus. Et on a un arsenal relativement équivalent, un petit peu inférieur du côté de cette équipe d'attaque des DEH qui va progresser de manière assez silencieuse sur le mid, sur cette zone de A. Attention à Faraday qui n'a repéré personne pour l'instant. Voilà qui est fait, il a été pris pour cible, abattu, incroyable Waiko avec son classique. Le headshot qui va fonctionner, la spike qui a été récupérée sur cette zone de short. Ah, c'est dommage, c'est vraiment dommage pour cette équipe d'attaque qui avait réussi à faire un premier entry kill sur cette zone de A. On est attendu, malheureusement, on est attendu ici. Miu sur le côté qui est flashé. On n'est pas naïf hein, du côté des DEH. On sait qu'il y a du monde. Flashé à son tour, il va falloir rester sur le côté. Échange de flash, de stun également sur le mid. C'est Miu et Lucas qui vont faire la conclusion de ce round numéro 3, de ce round de bonus pour le 11 à 4. Ça doit être un minimum équilibré. Alors je ne sais pas, Viscoco justement, je ne sais pas exactement. Il me semble qu'on a interdit les rangs radiants. Mais il me semble que tous les niveaux sont acceptés. Et bien entendu, niveau disparate, on peut avoir des résultats un petit peu à sens unique. Néanmoins, vous regardez la carte des scores, on a déjà pris 4 rounds hein, du côté de DEH. La partie
la partie vous semble déséquilibrée, elle ne l'est pas tant que ça. Jeu d'équipe hein, qui restreint de toute façon toujours un petit peu les niveaux. Et je pense qu'ils ne vont rien laisser tomber. Ils ne vont rien lâcher, justement. Le 1 pour 1, malheureusement, Psyon, qui va subir le courroux de Miu. Le doublé, triplé. On va faire tomber le porteur de Spike également. Avec les kunai de sortie, il ne reste plus que Waiko sur le côté. Ça va être compliqué. Il a repéré la Jet juste à temps. Il prendra le meilleur sur ce duel. À présent, deux duels qui vont s'offrir à lui. Il a été flashé. Malheureusement, il ne va pas détruire cet œil. Hein. Je vous le rappelle, les amis. L'œil de l'arena est destructible. Match et point. Vous pouvez en quelques balles eh bien, vous en débarrasser. Effectivement, ça vous oblige à dévier votre crosshair, dévier votre curseur de la potentielle tête de votre adversaire. Certains joueurs préfèrent jouer directement le duel, même aveuglé. Mais vous pouvez bien entendu, surtout si vous êtes en équipe, détruire l'œil. 12 à 4, on est sur le match. Le round de match, la balle de match, voilà, je retrouve le terme. Une progression de notre équipe d'attaque DEH. Du côté, alors qu'on chatte un petit peu entre joueurs pendant les pauses. Beaucoup de bruit qui a été fait sur le côté. Ultimate The Race qui n'a pas été lancé. Finalement, on va essayer d'interdire l'accès à cette zone du garden. Il ne reste plus que la reste. Justement, Psyon est tout seul. On a fait usage de ce lance-missile. Je pense qu'on a été repéré hein, juste en dessous de cette zone. Justement, le A pour Race qui pourrait se fonctionner. Malheureusement, Psyon ne pourra pas faire face à tous. Et c'est une victoire de l'équipe RS eSport. Je vais en profiter pour envoyer quelques GG. Hop. Bravo en tout cas, bravo à tous. On a eu une belle rencontre. Alors, un petit peu à sens unique, effectivement, 13 à 4, hein, victoire de la RS eSport. Naiko qui a été effectivement... Impérial qui a été orchestral, Miu et Arc qui ont été également tout à fait efficaces. Puis on retrouve un Psyon avec sa Raze qui a réussi à faire quand même quelques merveilles. Maiko qui a mis des têtes incroyables. Et bien entendu, Chrono avec son incroyable push dans la zone de B. Finalement, aucun joueur n'a été inutile ce soir, les amis. Oups. Voilà, autant pour moi, avec une petite pub qui est partie toute seule. Une pub pour notre partenaire Corsair, justement, qui sponsorise le tournoi, qui va nous permettre, les amis, d'aller chercher d'incroyables lots pendant toute la durée de ce tournoi. Je vais reprendre un petit peu la liste de tous ces lots, justement. Voilà, on va avoir énormément de V-Bucks aussi à aller chercher. En plus, hein, je parle en plus de la... De la quantité de cash prize. On va avoir des Valorant Points, hein, plus de 1100 Valorant Points pour le premier, le deuxième, 500 également. On va avoir des casques de chez Corsair, très très bon casque. On va avoir également des claviers mécaniques et puis des codes de réduction sur la boutique de G-Lab. Alors, G-Lab, je peux vous en parler, puisque, regardez, hop, on a un petit clavier, là. Ah, en plus, c'est parfait, on a la marque qui apparaît. Très, très bon clavier, les amis. Très, très bon clavier mécanique, très précis. Et les amis de chez Corsair qui régalent très, très clairement. On va... écoutez, je crois que c'est le dernier match hein, de la soirée, de toute façon. On vient de terminer le dernier match de la soirée. Donc, cette rencontre entre les DEH eSport et la RS eSport Team également. Victoire 13 à 4, un petit peu déséquilibrée, vous l'avez vu. Mais un beau match quand même. Moi, je me suis régalé. J'espère que vous vous êtes régalé aussi pendant ces deux rencontres de Valorant. On va se retrouver, par contre, jeudi, vous et moi, sur ce site.
exactement sur ce site pour la suite de nos aventures dans la Student Cup. Je vous invite, d'ailleurs c'est un petit message de notre Claudine nationale qui nous régale, hein, Claudine, on l'embrasse si elle est là d'ailleurs. Un grand coucou aussi aux modérateurs et à l'équipe de la Game Center Online qui est là. Merci à vous les gars d'organiser tout le tournoi, de permettre eh bien, à tout ça d'être possible. On m'a fait passer le message qu'on va bientôt avoir justement un petit giveaway qui sera annoncé dans la semaine de la part de The G-Lab. Donc, la consigne, c'est d'aller simplement follow sur Twitter le Game Center Online pour être au courant de ce giveaway. On a un système, un setup complet de gaming à gagner. Beau petit giveaway. Je ne sais pas si je ne vais pas aller le faire, moi. Mais non, je n'ai pas le droit. J'ai déjà le système de gaming qu'il faut, mais en tout cas, je vous invite à le faire. Un petit follow Twitter, ça ne coûte rien. N'hésitez pas aussi à follow la chaîne Twitch pour être au courant eh bien, des prochains streams. Ça va arriver très très bientôt. Ce sera jeudi soir, il me semble, à partir de 20h15, 20h20. Voilà, on va pouvoir se retrouver ensemble alors que je revois, voilà, avec quelques minutes de décalage, la petite pub qui a popé. Je vous remercie, les amis, de votre présence ce soir. On va se quitter là-dessus. Je vois que vous étiez plus de 70 hein, pendant tout le tournoi, pendant toute la game ce soir. C'est incroyable. Merci à vous de votre engagement. Si bien vous voulez nous soutenir sur la Game Center Online, n'hésitez pas à lâcher un petit Twitch Prime. Si vous connaissez Twitch Prime, c'est le petit abonnement qui est gratos. Et ça fait super plaisir pour récompenser les efforts de toute l'équipe. On va se laisser là pour ce soir. On va se quitter là et on va se retrouver donc eh bien, jeudi soir, 20h30, sur cette même chaîne pour la suite de nos aventures dans la Student Cup Valorant, la Cup des étudiants. Je vous souhaite une excellente soirée. Je suis le Cylindre. Vous pourrez me retrouver d'ailleurs si vous avez envie. J'y pense. J'en profite pour faire un petit peu de pub pour moi-même. On m'a dit que je pouvais. Vous pourrez me rejoindre sur ma chaîne Twitch demain dans mon émission Valo Hebdo. Je fais une émission toutes les semaines, tous les mercredis soirs, sur toute l'actualité de Valorant. Que vous soyez novice ou joueur confirmé, vous aurez des news, vous aurez des actualités sur les joueurs pros, des interviews également, des petits bonus, des petites frag movies, etc. Donc n'hésitez pas à passer, me faire un petit coucou pour suivre eh bien, toute l'actualité Valorant. En plus, il y aura du nouveau. À partir de demain, je vous parlerai du patch 2.06 qui va sortir. On va se quitter là-dessus et on va se mettre un petit message de nos amis de Corsair pour terminer cette excellente soirée. Je vous retrouve donc eh bien, demain sur ma chaîne si vous êtes là. Sinon, ce sera jeudi 20h30 pour la suite de la Student Cup. Passez une excellente soirée les amis. À très très bientôt.